être à côté pour ne pas trop aimer. Ça fait partie. Les policiers eux-mêmes, ils absorbent beaucoup de grenades, mais ils le font de façon stoïque, parce qu'ils font leur travail. Et regardez ce qui se passe autour de nous, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, oui, il faut définir le cadre. Vous savez, même en guerre, on embarque des journalistes. On leur dit où ils doivent se mettre, où il ne faut pas qu'ils se mettent. Donc, je pense qu'il doit y avoir une possibilité avec le ministre de l'Intérieur et les professionnels pour trouver un code de collaboration entre vous et les forces de l'ordre qui sont chargées du maintien de l'ordre. Vous avez beaucoup parlé du régulateur. Et l'État est tout à fait d'accord pour poursuivre la réflexion avec les associations de presse, car elle a déjà commencé de notre côté. Le régulateur doit s'adapter puisqu'il y a des évolutions très rapides. Les technologies de l'information, la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé, on connaît aujourd'hui les grands groupes et toute leur charge négative sur la stabilité des États par rapport à tout ce qui se fait sur le net. Donc nous devons réguler, nous devons travailler, pas pour faire la licence, mais pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction massive de notre société. Donc il y a un équilibre à trouver. Nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec les professionnels de l'information et de la communication et les régulateurs.